オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。例えばフランス人講師との対談ではリスニング力が、日本人講師からはおすすめの学習方法や教科書には出てこない現地で使える便利な会話表現が身につきます。さらに文化の面でも、パリをはじめとするフランスの観光スポットやグルメ、その他さまざまな現地直送の情報をお届けします。パリのカフェでゆったりコーヒーを飲むようなイメージでお聞きください。こんにちは、パーソナリティの野瀬祐介です。本日第231回目は、前回に引き続きバネッサ先生とスイス人講師のフレデリック先生による対談第2回目です。今回はスイスの食、文化、伝統などについてお話を伺います。対談の後は三輪先生によるワンポイントフランス語レッスン、最新アンサンブル情報です。それではバネッサ先生とフレデリック先生の対談第2回目をお聞きください。 Bonjour à tous et bienvenue sur Ensemble en français à la cafette. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le professeur Frédéric, professeur à Ensemble en français. Bonjour Frédéric. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien, je te remercie. Il ne fait pas trop chaud? Il fait un peu chaud, oui, effectivement, hein, on sent l'été qui approche. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai sorti la robe, je pense qu'elle était de circonstance, parce qu'il commence à faire très très chaud. Absolument, oui. Alors, Frédéric, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler un peu plus de vous et surtout de votre pays d'origine, qui est la Suisse. Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Suisse, c'est où la Suisse? Alors voilà, la Suisse se trouve donc en Europe centrale. C'est un petit pays entre la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. D'accord. C'est un pays surtout montagneux, qui a un certain nombre de lacs également. L'industrie touristique est très importante en Suisse. Je sais que beaucoup de Japonais apprécient la Suisse comme destination touristique d'ailleurs. D'accord. S'il y a beaucoup de touristes, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler par exemple des spécialités culinaires? Mais très volontiers, très volontiers. Comme vous le savez peut-être, bon, les grandes spécialités culinaires que tout le monde connaît, j'imagine, comme la fondue au fromage, qui sont très célèbres, la raclette également, à base de fromage et de pommes de terre. Mais la Suisse a aussi des spécialités de poisson, par exemple, surtout au bord des lacs. Nous avons donc au bord du lac Léman, qui est entre la France et la Suisse, vous avez une spécialité très connue qui est le filet de perche. Donc la perche est un petit poisson. Et voilà, donc les filets de perche sont une des spécialités de la région d'où je viens. D'accord, très bien. Donc les amoureux de poissons vont certainement se régaler s'ils viennent en Suisse et notamment dans votre région. Oui, absolument. Absolument. À part ça, évidemment, à part les spécialités de fromage, nous avons aussi toutes les spécialités de charcuterie qui sont très appréciées, de charcuterie sèche ou de charcuterie à cuire. Donc voilà, c'est vraiment un pays très riche en ressources agroalimentaires, on pourrait dire. Oh, d'accord, très très bien. Et est-ce que c'est un pays riche en culture, en histoire? Naturellement, hein, naturellement. Donc, le pays étant au centre de l'Europe,
C'est un peu un carrefour dans l'Europe entre les grandes cultures européennes. Et le pays est très très riche en architecture historique, comme les châteaux forts. Donc, il y a beaucoup de châteaux en Suisse et de musées également, dans tous les domaines. Voilà, c'est un vrai paradis pour les amateurs de vieilles pierres. Donc il y a énormément de vieilles bâtisses, surtout de châteaux forts. De l'époque moyenâgeuse surtout. Et nous avons également certaines cités, certaines villes ont gardé encore ce caractère historique avec de vieilles rues du XVIe siècle, par exemple, qui sont très bien conservées. D'accord. Vous nous avez parlé des musées. C'est quel oui. genre de musée de ce fait ? Il y a un dicton qui dit que la Suisse est le pays aux 1000 musées. C'est apparemment un des pays qui a le plus de musées par habitant au monde. Donc voilà, il y a vraiment des musées pour tous les goûts. Hein. Donc voilà, des musées historiques comme le musée, par exemple, qu'on trouve dans certains châteaux. Donc, qui présente des pièces historiques, des meubles et d'autres choses. Je pourrais citer, par exemple, pour les amateurs de vin, le musée de la vigne et du vin, qui est aussi situé dans un château au bord du lac, qui est très intéressant. Et vous avez pour les amateurs d'art, plutôt d'art contemporain, il y a tout un tas de musées d'art également. Dans toutes les villes principales de Suisse. Voilà. Donc, vraiment, un peu, on pourrait dire qu'il y a, il y a vraiment des musées pour tous les goûts. Sans oublier, bien sûr, les musées de l'horlogerie, puisque la Suisse est aussi célèbre pour ses montres, bien entendu. Bien évidemment, les célèbres montres suisses. Voilà. Très bien, oui, alors, je pense que les artistes se sentiront vraiment à leur aise en Suisse. Voilà, absolument. Que ce soit les amateurs d'art qui aiment visiter les musées ou les artistes. Donc, on a aussi des paysages superbes en Suisse. Hein, donc, le lac, les vignes et les montagnes dans ma région sont des sujets très appréciés des peintres, par exemple. Oh, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. J'avoue que j'ai très envie d'aller en Suisse maintenant. Ah oui, ça vaut la peine. Hein. Alors, on a un peu parlé de la cuisine, on a parlé de l'architecture, un peu de la culture également. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur qui sont les Suisses ? Est-ce qu'ils ont un caractère spécial ? Est-ce qu'ils sont très différents des Français ? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que les Suisses, c'est vraiment, c'est un peuple un peu difficile à définir, car donc la population suisse pourrait se diviser en trois parties principales, si vous voulez, en fonction de la région linguistique, ce qui détermine également la culture hein, et évidemment. La nourriture. Donc, vous avez la région suisse romande, voilà, qui est ma région, qui est la région francophone, bien évidemment, qui a certaines affinités, si vous voulez, avec la France. Et vous avez également une légèrement plus grande région germanophone, donc près de l'Allemagne. Qui a un caractère plus, si vous voulez, plus germanique dans son approche. Et ça se reflète également dans les spécialités culinaires, dans la façon de s'habiller. Voilà. Et donc la dernière région, qui est la région suisse-italienne, le canton du Tessin, qui se trouve proche de l'Italie, a un caractère plus méditerranéen, plus italien, si vous voulez.
Voilà, donc je pense qu'en gros, voilà, on pourrait dire qu'il y a une identité suisse, mais des affinités avec les régions linguistiques. Oui, d'accord. Donc c'est quand même un pays qui est très multiculturel. Voilà, absolument. Très bien. Eh bien, ça semble être un magnifique pays. Je te remercie, Vanessa. Effectivement, oui, c'est mon avis. Eh bien, j'espère que nos auditeurs seront du même avis eux aussi. Tout à fait. Et donc, je les invite chaudement à visiter la Suisse lors de leurs prochaines vacances. Exactement. Je ferai peut-être partie des touristes. Ah, mais c'est une excellente idée. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Frédéric d'avoir été parmi nous et nous espérons vous revoir très très bientôt. Et je pense que cette fois, ce sera pour nous donner davantage de bons plans, justement pour les personnes qui aimeraient visiter la Suisse. Mais très volontiers, c'est moi qui te remercie, Vanessa. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, merci à tous de nous avoir regardés et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir! Au revoir, à très bientôt. ワンポイントフランス語レッスン。こんにちは。こちらのコーナーを担当しております。アンサンブル講師のミワです。本日も会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の一言や表現をご紹介します。今回の一言は、たったの2語で短いです。しかも会話やレッスンでしょっちゅう使う機会があります。場合による、それは場合によるね。フランス語ではどういうかご存知ですか？そうです、サデポン、サデポン、サ、それは、デポン、何々次第であるという意味の動詞、デポンドの現在形です。相手に、これってどうなの？と聞かれて、ケースバイケースだよな、ウィ、ノンって断言できないよな、という理由から答えに詰まることってありませんか？そういう時はすぐさま、サデポンと言えば、相手はそれ以上追求してきません。ちなみに、サデポンの後ろに、前置詞ドゥ、定冠詞、名詞をつけると、何々によるとより具体的に表すことができます。例えば、それは人によりますとフランス語で言いたいときは、そうですね。ça dépend des gens。ça dépend des gens と言います。ça dépend des のでは、前置詞 de と定冠詞複数形レの縮約形で、で、う、えすと書きます。そして、人々を表す名詞、ジョンは、ジェ、う、えん、えすと書き、常に複数形ですので気をつけましょう。では最後におさらいです。それは場合によります。サデポン、サデポン、それは人によります。ça dépend des gens。ça dépend des gens。どちらも短いので、ぜひ音で覚えて会話で使ってくださいね。さて、今回のように会話やレッスンで使えるフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それでは、à la prochaine fois。 最新アンサンブル情報、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセの最新情報をお届けします。今回は先月5月25日に開催されたアンサンブル情報交換コミュニティ仏研一級を目指す人の会についてお伝えいたします。
実用フランス語技能検定試験、略して仏検ですが、今年度の春季一次試験はあさって6月17日に行われます。受験される方は試験対策のラストスパート頑張ってくださいね。ご健闘を心よりお祈りしております。さて、先日開催された仏検一級を目指す人の会はまさにタイムリーなテーマということで人気を集め、当日は聴講の方を含めますと定員の10名に近い生徒様にご参加をいただきました。司会進行役の三輪先生を中心に、まずは仏検にまつわる自己紹介を行っていただいた後、一次試験の苦手箇所と克服のための学習法に話が及びましたが、話題に上がったのはやはり配点と難易度が高いディクテ、音声の書き取り、そして和文仏訳の2つでした。特に1級のディクテは読み上げのスピードが速く書き取りが難しいとのことで、ある参加者の方がおすすめのディクテ攻略方法を伝授してくださいました。これには司会の三輪先生も目から鱗。アンサンブル情報交換コミュニティは生徒様同士で情報交換を行うことを目的としているだけあり、まさに生徒から生徒へ有益な情報の伝達が行われた瞬間でした。他にも仏検1級の一次試験を突破するために必要な具体的で詳細なアドバイスから、より広い意味での仏検対策やフランス語学習への取り組み方まで広範囲に話が及び、今後の学習の参考にしたい情報が満載の50分となりました。このアンサンブル情報交換コミュニティ、Zoom という無料のグループ会話ソフトを使って、司会進行役の講師と最大10名の生徒様が事前に決められたテーマについて50分間思う存分情報交換を行うという、オンラインで生徒様が交流を深めるための無料イベントです。アンサンブルの生徒様であればどなたでも無料で何回でもご参加いただけます。同じフランス語学習者同士、有益な情報はもちろん学習の悩みを分かち合うことでモチベーション維持と向上のお役に立てれば嬉しいです。参加方法はコミュニティ開催の告知メールなどに記載されておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆さんからのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回6月22日の配信でお会いしましょう。皆さん、素敵な週末をお過ごしください。